Étranger Ivan Schmelioff. Un. Le soldat de la garde Ivan, la poitrine traversée par une balle, fut fait prisonnier par les Allemands dans les bois d'Augustovo, en automne. Un Allemand au sourcil roux, les yeux à fleur de tête, voulut lui asséner un coup de crosse, trébucha, passa outre. Un autre, compatissant, se pencha vers Ivan et lui donna à boire. Ensuite, Ivan ne se rappelait plus. Il revint à lui le soir, dans un grand hangar, parmi beaucoup d'autres. Lorsqu'on arracha la chemise de sa poitrine, la douleur lui porta au cœur. Le hangar s'évanouit. Alors, comme en rêve, Ivan se balançait au sommet d'une charrette de foin, qui figurait la digue de l'étang seigneurial. Lointain souvenir d'enfance. Et sa sœur Datcha l'appelait d'une voix plaintive. Vania! Longtemps après, Ivan se rappela cette oscillation et la voix apitoyée de Datcha. À l'hôpital, Ivan apprit à coller des boîtes, à les attacher, à compter jusqu'à cent, à écorcher la langue. Au printemps, on l'expédia en chemin de fer dans une petite ville. Là, il fut remis à un paysan allemand pour travailler. C'était par une matinée de mars. Déguenillés, mornes, les prisonniers furent alignés sur une place, tête nue, sous les tilleuls dépouillés, et un Allemand qui boitait cria. Achtung! Ein! Zwei! Drei! À chacun, il inscrivait à la craie un numéro sur la poitrine. Le grand Ivan, qui se trouvait sur le flanc droit, reçut le numéro cinq. Fünf! Survinrent des paysans rasés, en veste, de solides gaillards aux lourds souliers ferrés, avec de longs fouets. Leurs pipes empestaient. Chacun d'eux avait un billet. Le boiteux qui était borgne lut bruyamment un papier. Les paysans suçaient leurs pipes. Ya! Ja, ya vol! So! Dans les tilleuls, les feux croassaient gaiement. Alors les paysans s'agitèrent, se mirent à marcher, à brailler. Mein! Wirsen! Ivan venait de songer. On a tiré au sort. Lorsque s'avança vers lui un individu en bonnet de lièvre, de fortes carrures, bouffi, Tel le cuisinier Mirail de sportkoska Il jeta sur Ivan le coup d'œil du maître, posa le doigt sur le numéro 5, cria comme à un cheval. Fünf! Vorwärts! Ivan ne comprit pas. Il avait oublié. Alors l'Allemand le tira par le collet. Cette fois, Ivan comprit et le suivit. Ils s'en allèrent par les rues, l'un derrière l'autre. L'Allemand marchait en se dandinant, à la façon des obèses. Ivan, comme un niais, les yeux fixés sur le large dos, la nuque rougeaude, plissée. Tout lui répugnait dans cet homme. Les pans de son habit qui balottaient avec des boutons brillants à la ceinture, son bâton sec, muni d'un écrou, le bonnet rapiécé, le cigare qui empestait. Ils rencontrèrent un peloton de soldats qui marchait au son du tambour. Ivan se rappela sa compagnie et devint pensif. Personne ne l'examinait. On savait que ce locte hâve, aux yeux gris, à la haute taille, était le prisonnier russe Ivan. Il y en avait bien d'autres. Seule une vieille avec un sac d'herbe et le petit chien en laisse le regarda dans les yeux et remua les lèvres. Comprenant que la vieille le plaignait, Ivan se rappela sa mère. À l'auberge, près des mangeoires étamées, stationnaient des charrettes en osier, vernies en noir ou en jaune. C'était propre comme au haras de Prochine. Pas un fétu ne traînait. Un gamin rassemblait le crottin avec une brosse. Ivan se prit à rire. On ne sentait même pas l'écurie. L'Allemand détacha la chaîne, fit signe à Ivan de monter. Ils partirent au trot d'une jument d'un gris roux, à la crinière tendue. La route, unie comme une dalle, se déroula. Partout des champs et des champs, enclos de fils de fer, des fossés bordés d'arbustes, des maisonnettes à toit de tôle ou de tuiles, l'éclat vitreux des châssis, l'odeur tenace du fumier et des églises qu'on eût dit en terre cuite dardaient leur croix vers le ciel. On croisait des charabans où des jeunes filles aux joues rouges criaient joyeuses. Morgan, « Morgan Herr Braun. Sans retirer son cigare, l'Allemand marmottait. « Morgen Fraulein Thérèse !» Mince et rose, Thérèse approchait, la bouche rieuse. Elle avait un bonnet bleu, la taille serrée par une ceinture blanche, des marguerites à son corsage. Ivan s'attarda à la contempler. Une friponne délurée elle arrêta sa jument rousse pour vérifier si le fer ne lochait pas. Jeta un œil à Ivan. Brown lui marmotta quelque chose, le visage de la fille s'illumina. Les canailles! songea Ivan. Ils se moquent de moi. Ivan ne savait pas. La gaieté de Brown était provoquée par le prochain retour de son fils Heinrich, du front français. C'est lui qui saurait ferrer la jument de Thérèse. Au bord d'une petite rivière avec un moulin en miniature et des pigeons immaculés, L'allemand arrêta son cheval. Un lièvre peinturluré en bleu, avec un saucisson entre les dents et une chope écumeuse indiquait une auberge. L'allemand souffla bruyamment, fit signe des yeux à Ivan. « On peut se rafraîchir, » répliqua celui-ci. « Bête et Jean. » Il n'y avait personne dans la salle. Seule la patronne, énorme, qui tenait tout le comptoir, faisait passer un monceau d'œufs d'une corbeille dans une autre. « Il va sûrement boire de la bière, m'en offrir, » pensa Ivan. Mais l'Allemand ne mangea que du poisson, une sorte de carpe, et ne prit qu'une chope. Il donna un peu de sa portion à Ivan. Ivan avait envie de boire. Il possédait un rouble en argent qu'il gardait jalousement dans sa blague depuis son départ de Zvortkovska. Sa sœur Datcha le lui avait donné au moment des adieux, en disant « Je n'ai qu'un rouble, Vania. Prends-le comme porte-bonheur. » Ce rouble sacré, Ivan l'avait ménagé même à Varsovie. Où durant deux nuits, les soldats de la garde bambochèrent dans un café et se saoulèrent à cœur joie. Plutôt que de le donner à un brancardier allemand bancal, son sauveur, il lui avait fait cadeau d'un porte-cigare, trouvé sur le front. Une infirmière à l'hôpital quémanda ce rouble. Il refusa, lui offrit un oiseau sculpté, son ouvrage. Mais le rouble, je ne peux pas. Il est sacré. Maintenant, Ivan mourait d'envie de boire de la bière. Il dit, moi vouloir boire, drinken. En guise de réponse, Brown sortit le livret que lui avait donné l'estropié, un vocabulaire russe, et articula pesamment. Gomant t'appelle du. Ifan? So, ya, yeah, ya. Yeah. Il chercha, et lut encore. Les Russes. Chien baresseux. So. Ach. Nein. Avec astuce, son regard croisa le regard morne d'Ivan, qui demeura impassible. Il lut encore Bière, poisson. Les mots étrangers lui plaisaient. Ils étaient comiques. Il les répétait en riant, en découvrant ses grosses dents jaunes, et tâtait la main robuste d'Ivan. Ivan le traita de mangeur de choucroute, tambourina sur la chope que l'allemand ramena à lui. Alors Ivan sortit son rouble, le fit teinter sur les dalles. Quel son clair Le passa à l'allemand. Regarde! La grosse femme émergea du comptoir en remuant son goitre, des œufs dans les mains, considéra le rouble, soupira. L'allemand le soupesa, exhiba une bourse en perles et montra à Ivan le marque familier. Ivan cracha, remit le rouble dans sa blague, dit avec chaleur. Quand je retournerai en Russie, à la première station, j'achèterai avec ce rouble du pain mollet. Je ne veux pas moisir chez vous. Notre rouble n'a pas d'égal. Les Allemands ne le comprirent pas. Au bord de la rivière, ils furent rejoints par deux charrettes, occupées chacune par un Allemand et un soldat que l'on menait au travail. L'un d'eux cria à Ivan. Ils nous en feront voir de dur les salauds. On roulait. De nouveau les regards d'Ivan rencontraient un paysage bien peigné, agencé comme un jouet. Où se trouvait donc la campagne? Partout des tuiles de couleur, des clôtures en béton. On se serait cru à la propriété du aux environs de Tula. Dans les jardinets luisaient des boules métalliques, des rayés se dressaient sur les pavillons. L'Allemand demanda en mâchonnant son cigare. « Goutte ?»« So !»« M'en fiche !» répondit Ivan bourru. « Chez nous, c'est plus propre. » L'Allemand finit par cracher le mégot qu'il promenait depuis le matin, se frappa le front de sa bague en argent et dit « C'est l'intelligence qui a créé tout ça !» On arriva enfin dans une bourgade en passant sous une porte en forme d'arc, surmontée d'un mât rayé pour pavoiser lors des fêtes. L'allemand dit Grünwald. Ivan comprit que c'était le nom de la localité. 2. Soldat Ifan L'Allemand le réveillait en cognant au hangar avec un gourdin. Au travail et chaque fois, Ivan entendait dans la maison grise des maîtres le coucou sonner cinq heures. Il sortait du hangar, se frottait les yeux, tandis que le soleil apparaissait à peine derrière la hauteur où se dressait la morne église étrangère, effilée comme une aiguille. Les roues dentelées du moulin tournaient déjà. L'allemand infatigable, les manches de sa blouse retroussées, sa calvitie rose luisante au soleil, pétrissait dans une corbeille la pâture des vaches préalablement passées au hache le troisième fils, Moritz, bossu, mince comme une sangsue, partait sur sa bicyclette quérir à Vermin les journaux du magasin pour Grunewald. Deux heures après, il était de retour, gagnait déjà quelque argent. « Ils ont le diable au corps !» grommelait Ivan en s'ébrouant sous le robinet. « Heureusement que l'eau est installée, il faudrait que j'y aille. » Il se peignait au soleil. La vieille Allemande, pareille à une autre, s'occupait déjà des ports, rétablissant l'ordre à coups de bâton. Elle pressait Ivan qui n'en finissait pas. Soldat, Ivan! glapissait-elle. Cou, cou, Vasse! Augenblick! Vieux trognon! répliquait Ivan. Tes vaches ne crèveront pas! L'Allemand avait six vaches qui restaient le plus souvent à l'étable. Quel drôle de pays! Ici, le soleil semblait se lever plus tôt. Les choucas se faisaient entendre dès l'aube. Les trains se succédaient, criant au passage. Ne flâne pas! Ce n'était pas comme sur la ligne de Toulas. Un ou deux passaient, ensuite on aurait pu s'endormir sur les rails. Et quels gens Après le dîner, ils se démènent comme des possédés. La Bru, Tilda, jeune femme aux formes opulentes, aux joues roses, aux yeux de brebis, circule dans la cour, la robe retroussée. Pourquoi ces Allemands ont-elles les jambes comme des poutres Elle a trait les vaches depuis longtemps et lâche à présent les veaux dans l'enclos donnant à un gosse, aux yeux à fleur de tête, une mamelle grosse comme un seau. lichen la cadette, la tresse au dos, mène en charrette le lait à la crèmerie. L'aînée, Katrinchen, a déjà attaché les radis et la salade, cueilli une corbeille de fraises destinée au marché de Verbine. Le soir l'argent sonne dans la poche de l'Allemand. Quel peuple. Les premiers temps, Ivan allait comme hébété. Il fallait se rappeler tant de choses. L'Allemand possédait soi disant peu de terre, huit hectares une trentaine de morgens, mais il produisait autant que cent hectares. Il y avait des champs de pois, d'avoine, de seigle, de vetch, d'orge. On cultivait la betterave, les pommes de terre. Deux récoltes par été. Et Dieu sait quoi encore. On se moquait d'Ivan. Il marchait bouche bée. L'Allemand lui frappait sur l'épaule, s'étirant pour l'atteindre. Marmottait. Coule tour. Ivan raillait. D'une aurore à l'autre, vous vous démenez. Personne n'a aucun plaisir. C'est ainsi que les diables s'esquintent en enfer. Dummkopf, coule-tour! c'est cool tour, ennuyeux! L'Allemand ne comprenait pas ennuyeux. On devrait envoyer ce nigo dans les mines. Il verrait. L'Allemande élevait quatre génisses, cinq chevaux de son haras, même couleur que le patron gris avec des taches rousses. Dix-huit gorées grandissaient dans l'étable, près de la houblonnière. Pour eux et pour les vaches fumait à ras-le-sol une cuve remplie de marre de bière. À quoi te sert tout cela plaisantait Ivan. Voilà bien votre cupidité. C'est elle qui vous a fait commencer la guerre, asservir les gens. À ta mort, tu ne l'emporteras pas, et les gens ignorent la paix. L'Allemand se fâchait, sa calvitie s'empourprait. Il disait d'une voix rauque Tu n'es qu'un imbécile Ivan ne s'amendait pas, persistait dans son idée. Peu importe le riche ne connaît pas le repos. Chez nous, le barin Svorzkov possédait cent maisons dans toutes les villes. Finalement, il s'est étranglé avec une arête. Tête de bonne de terre culture, cool tour so. l'Allemand avait plus de cent poules, un troupeau d'oies, trente moutons, et quelque part dans les montagnes, chez un aïeul de Thérèse, une centaine. Trois cents lapins logeaient dans les caves. Les Allemands ne venaient pas à bout de les manger. Les lapins se multipliaient comme des mouches. C'est Lichen qui les soignait, et Moritz, le bossu, qui les saignait. Il n'arrêtait jamais, promenait sa bosse du matin au soir dans le potager et la houblonnière. Pour finir la journée, il enfourchait de nouveau sa bécane et criait dans le village. Nachrichten! Nachrichten! Ludwig même, un gamin de cinq ans, avait une occupation. Il ramassait les plumes dans la cour. Ivan s'étonna. En un an, le petit avait recueilli de quoi faire un oreiller. L'Allemand lui-même mettait la main à tout, roulait sur ses courtes jambes avec son gourdin, tête nue, distribuait l'ouvrage. Il montrait à Ivan son poing velu avec des taches de rousseur, le brandissait sous son nez. Arbeit! Kraft! Nous sommes tous intelligents. Évidemment, l'Allemand a imaginé le singe, dit-on. Quand on vous aura bien rossé, vous aurez votre compte. Oh, unser Kaiser über alles. Les jours de fête, l'allemand fréquentait une brasserie, rendez-vous des paysans qui ingurgitaient la bière, fumaient, lisaient des journaux. Assis près de la palissade, Ivan les entendait hurler, or, or, et frappait le plancher de leur canne. Il savait que les Allemands célébraient ainsi une nouvelle victoire et que le lendemain, on pavoiserait. Il frémissait, songeait ils vont soumettre le monde entier, il faudrait abattre leur morgue. Puis, avec un regard circulaire, impossible, ils ont des machines. Il y en avait de toute espèce, écrémeuses, hache-paille, faucheuses, pour tout. Le regard était attiré par les charrettes et les charrues, les chevaux aux larges croupes, des vaches aussi belles qu'à la ferme du Barin Le dépit s'emparait d'Ivan. Ah, oh, si on pouvait abattre leur morgue, je raflerais tout pour m'établir à mon compte. Il s'attendait à souffrir de la faim. Mais non, on le nourrissait convenablement. Même le soir, on mangeait du lard. Les jours de fête, l'Allemande servait du porc salé. Ivan prenait les repas dans la cour, les Allemands dans la maison. Lichen, mince, scrofuleuse, lui apportait son dîner et gazouillait. Grâce tout, Elle se sauvait en battant des mains. Elle lui faisait pitié, ressemblant à sa sœur Datcha, également chétive. Il lui sculpta un oiseau dans une cage dorée pour suspendre au plafond. D'un mois à l'autre, Ivan s'accoutumait. À présent, l'allemand lui était familier. Il se mit à parler correctement. Il plaisantait et disait à l'allemande. Madame Tilda est votre bru. En russe, ça s'appelle Kobila. Et l'allemande répétait de confiance. Tous prétendent que je suis jolie, disait à Ivan Tilda d'un air mutin. Comment dit-on dans votre langue? Ivan, qui jeûnait, lui jetait un regard passionné. Lorgnait son ventre, ses cuisses. Il prononçait un mot dont lui-même rougissait, et que Tilda répétait avec fierté. Elle apprit ainsi de vilains mots, à l'amusement d'Ivan. Il fit l'acquisition de godillots à clous, d'une veste et d'un képi bleu, choisi par Herr Braun lui-même, dans un Verein. Un jour de fête, Ivan, qui avait touché le reliquat de ses gages, revêtit le costume allemand et s'en alla au village en fumant une cigarette. De leur jardinet, les allemandes le regardaient avidement à la dérobée. La blonde et svelte thérèse qu'il avait souvent rencontrée lui fit un signe de tête ivan lui dit avec un salut militaire guten tag mein Fraulein !» thérèse lui répondit gracieusement et se retourna vers la maisonnette bleue dans la vigne tous les dimanches ivan se promena dès lors à grunewald il acheta une cravache pour faire le faro bien que brown désapprouvât cette dépense inutile il contemplait toujours la maisonnette de ses rêves chaque fois, il apercevait dans le jardinet Thérèse bien mise, qui tricotait. Il sifflait en marchant. Dans la semaine, Thérèse venait voir katrinchen le soir, à l'heure où l'on rentrait des champs. Elle se montrait près de la grange où Ivan déchargeait les pommes de terre. Devant elle, il faisait montre de sa force, prenant deux sacs à la fois sur son dos. Il criait gaiement Nord, Herr Braun! Aufladen Il sifflait en les soulevant. L'allemand s'étonnait de cette manie de prouver sa force. Sa femme chuchotait avec Tilda toujours rieuse Ivan savait bien au sujet de quoi Tilda disait qu'il ne le cédait pas en force à son fritz. Ivan riait dans sa moustache, il avait remarqué plus d'une fois que Thérèse le regardait en mordant ses lèvres rouges comme cerise un soir, elle s'attarda même dans les tables comme si elle attendait quelque chose. Ivan n'osa pas, elle était trop élégante, bien que ce fût un jour ouvrier. elle portait un corsage rosé, un col de dentelle une jupe courte qui découvrait ses gros mollets. Souvent par la suite, en se rappelant cette soirée, ses bras nus, Ivan se traitait d'imbécile. Bientôt, arriva en permission auprès de sa femme le sous officier Fritz, solide gaillard à tête carrée, aux yeux de faïence, bronzé par le soleil de France. La maison fut en émoi. On alluma au jardin des lanternes vénitiennes, on tua une vieille dinde en signe d'allégresse. Etilda essoufflée, radieuse, en corsage rouge et chancré, en jupe courte, cria joyeusement à Ivan en russe. « L'étalon est arrivé !» Ivan lui avait appris que le mari s'appelait ainsi. Elle le chargea, les yeux rieurs, d'aller acheter une bouteille de porto carabiné et du piment farci. Ivan lui dit « Tu es plus excitante que le piment !» Et de nouveau, il songea. « Imbécile !» 3. Depuis deux ans, Ivan travaillait pour l'allemand. Il s'était mis au courant parlait la langue étrangère, les maîtres l'avaient même admis à leur table. Seulement la vieille demandait toujours, T'es-tu lavé les mains, Ivan? Et elle les examinait. Ivan chantait des chansons allemandes, savait jurer, fréquentait l'église, allait même seul à la ville. On disait de lui à Grunewald, Le russe, Ivan, vaut son pesant d'or. Il deviendra un bon allemand. Herr Braun lui-même lui demandait parfois conseil. Ivan connaissait la fumisterie, le briquetage, maniait la hache à merveille l'allemand lui dit au bout de la deuxième année la guerre est finie ne retourne pas chez toi j'y retournerai sans faute dit ivan j'ai le mal du pays il reçut une fois de la maison des biscuits de seigle datcha avait griffonné nous vivons fort mal et manquons de tout cher frère ivan fit craquer un biscuit sourit et recommença il se pencha vers la boîte aspira l'odeur qui lui rappela bien des choses cette nuit-là il eut de la peine à s'endormir le matin il dit à l'Allemand. Voilà notre pain, Herr Braun. L'Allemand croqua un biscuit, mâcha, le trouva acide. Il faut le saupoudrer de cumin, déclara-t-il. Chez nous, on le saupoudre de sel, fit Ivan, morose. Toute une semaine, Ivan ne fut pas dans son assiette. Il songeait à cette petite phrase. Nous vivons mal. Il vit sa mère en rêve. La vieille marchait dans un champ désert, en hiver, paraissant le chercher. Et lui, Vania, Embourbé dans la neige, ne pouvait se faire entendre. Il s'éveilla. L'Allemand cognait pour le travail. Ce jour-là, Ivan s'arracha un ongle au hache-paille. La tâche finie, assis avec le maître sur le billot, près du hangar, Ivan dit. Je travaille pour vous, Herr Braun, qui êtes déjà riche. Or, ma vieille mère sans moi dépérit. Tu travailles pour notre Allemagne, Ivan. Tu es prisonnier. Ce n'est pas juste. Cela rappelle le servage. Et vous parlez, Herr Brown, de votre culture. Il en résulte que vous exploitez les gens. Vous me payez tout juste deux roubles. Brown lui dit qu'il ne fallait pas parler ainsi, sinon il ferait sa déclaration comme la loi l'exigeait. Alors on pouvait envoyer Ivan aux mines. On n'en revient pas. Je sais, dit Ivan. C'est, d'après vous, la culture. Brown se fâcha, l'appela tête de pomme de terre, et demanda. Dans quel journal as tu lu ça? C'est écrit en moi, dans la pomme de terre. Il rencontra plus souvent Thérèse en tête à tête. On faisait un brin de causette. Une fois, en automne, dans la houblonnière, Ivan lui remplit son tablier de cônes de houblon. Elle en avait demandé pour faire un cataplasme à sa mère. Frau Wind. Il baisa galamment les doigts glacés de Thérèse, qui lui donna un cône et qui lui dit rieuse Portez-le toujours sur vous. C'est pour votre bonheur. Je me rappellerai vos cheveux. Ils sont dorés comme le houblon. Ça me tourne la tête. Où avez-vous lu de tels mots, Johan? Car vous êtes russe. Nous avons des mots pour chaque chose. Il voulut se pencher vers la tête blonde, mais elle s'enfuit. Il mit le cône dans sa blague à tabac, le fuma sans y prendre garde. Un jour, à la fin d'avril, Ivan la rejoignit sur la route de la ville. Le ciel était bleu, les pâquerettes fleurissaient déjà. Le sang lui battait les tempes, les alouettes chantaient comme aux environs de Toula. Les bouleaux commençaient à embaumer. Ivan, remarquant au bord de la route une touffe de marguerites roses, arrêta la jument grise. Thérèse arrêta la sienne, une pie. Il cueillit les fleurs et lui donna en silence. Thérèse fit un signe de tête et dit :« Vous vous êtes arrêté pour me cueillir des marguerites. Non, vous n'êtes pas un Ivan russe sauvage. Vous êtes tout à fait des nôtres, Johan. Vous deviendrez un bon Allemand. » Ivan lui dit en caressant la jument pie :« Elle est en sueur. Entendez-vous les alouettes Il y en a aussi chez nous. » C'est maintenant la saison. Elle leva ses yeux gris vers le ciel. Non, on ne les voyait pas. Chez vous, Johan, y a-t-il des chardonnerets? Autant qu'on veut. Les chardonnerets d'Oriol chantent le mieux, dit-il en russe, oubliant qu'elle ne comprenait pas. Restez chez nous, Johan. Mon père vous prendra volontiers à son service. Chacun me prendra pour travailler, dit Ivan en soulevant par la roue le char à banc avec Thérèse. N'ayez pas peur, vous ne tomberez pas. Mais que ferai-je ici? De retour au pays, je me marierai, je monterai mon ménage. À présent, j'ai beaucoup appris. J'ai payé Herr Brown pour mon savoir. Je serai moi-même un Herr Brown. Que vous êtes drôle s'exclama Thérèse en lui frappant la main avec une marguerite. Est-ce que vous vous sentirez mal chez nous Après la guerre, vous serez libre. Vous pourrez alors gagner ce que vous voudrez. Vous êtes fort, vous pouvez gagner beaucoup. Ivan eut envie de rire. Il lui conta la chanson de l'allemand qui, voulant se marier, acheta une auge à sa fiancée. Thérèse rit joyeusement, toute rose. Ainsi on se marie pour une auge. Eh bien quoi Il y a chez nous de jolies filles, de bonnes familles. Seulement, il faut posséder quelque chose. Avez-vous un capital en Russie Je suis moi-même un capital. Herr Brown l'a dit hier. Celui-ci, c'est tout. On m'épousera chez nous sans capitaux. Oui, sans doute, soupira Thérèse. Mais sans argent, il est difficile de vivre. Vous connaissez peu la vie, Johanne. Chez nous, chaque écolier sait cela. Ivan savait qu'il plaisait à Thérèse. Elle aussi lui était sympathique, bien que sérieuse, pas comme Tilda, avec qui il passait maintenant d'agréables minutes. Il savait par Tilda que Braun et Wind, le père de Thérèse, avaient décidé depuis longtemps qu'Heinrich, le cadet, actuellement sur le front français, se marierait avec Thérèse après la guerre. Et il dit franchement Tu me plais, mais tu épouseras Heinrich. Je sais à quoi m'en tenir. Le sang lui monta au visage. Elle baissa les yeux, elle réfléchit et murmura. Mais s'il était tué. Moritz le bossu les dérangea. Il les rejoignit à bicyclette. Thérèse fouetta sa jument, Ivan repartit au pas. Tout le long du chemin il songeait. Comme ces Allemandes sont bizarres. Sans avoir l'air d'y toucher, elles lâchent des énormités. Mais Thérèse aux yeux bleus l'attirait vivement dans sa fraîcheur printanière. Sa tête blonde, son doux visage le fascinaient. Il n'y en avait pas de pareil dans son village. Elle était très tendre, semblable aux demoiselles du Barin Skortzopf. Le soir, il la surprit dans la houblonnière, derrière la grange. Elle était venue écouter le merle dont Brown avait accroché la cage à une gaule. Ivan lui prit la main, dit d'un ton ferme. Écoute, m'accompagneras-tu dans mon pays? Nous nous marierons. Il l'enlaça. Le merle sifflait doucement au-dessus d'eux. Elle se serra contre Ivan et chuchota dans un souffle. Aujourd'hui, Heinrich a envoyé une lettre. Il vient en permission. Alors, il n'a pas été tué? commença Ivan qui la saisit passionnément par les épaules mais elle se dégagea et s'enfuit effrayée. Ivan demeura seul dans la houblonnière où le soir tombait, parmi la forêt des perches. Il contemplait le merle, les étoiles qui s'allumaient. Il sifflait à l'oiseau qui lui répondait en le regardant aussi. Lorsqu'Ivan revint de la houblonnière, Tilda lui cria brusquement Ivan. « Il faut enlever les sacs !» Ivan la suivit dans la grange déjà sombre. Soudain, elle se jeta sur lui, l'agrippa aux épaules, toute tremblante. « Maudit diable Ingrat Je sais tout maintenant !» Ivan la saisit, lui dit à l'oreille. « Buvons à la santé de ton fritz »« Peut-être sera-t-il bientôt tué !» Elle s'arracha de son étreinte comme une folle. « fi Garde-toi de parler ainsi C'est stupide »« Toi-même, tu y prends goût, ma chatte !» chuchota Ivan en l'étreignant. Oui, ne te rebiffe pas. Ne. Ah. Vous autres allemandes, vous voulez que tout se passe à votre guise. Écoute donc chanter le merle. Elle resta contente. Elle partit en entendant des pas lourds derrière la grange. C'était Brown qui allait, en reniflant, rentrer son merle pour la nuit. 4. Mai arriva. Le troisième mai de la captivité allemande. Fritz et Heinrich étaient déjà venus deux fois en permission. Brown tuait chaque fois un porc, on baffrait deux semaines en buvant force bière. Cette fois-ci, les deux fils vinrent ensemble, pour une semaine. On sacrifia un goret et deux oies, bien que la maîtresse les regretta. Heinrich ayant reçu de l'avancement, Brown décida de célébrer ses fiançailles avec Thérèse. D'ailleurs, la guerre paraissait toucher à sa fin. Au village, on pavoisait sans cesse, on fêtait de nouvelles victoires. Les parents arrivèrent pour les fiançailles, de Grunewald, de Verbine et du Haut-Pays. Les hommes étaient lourds, les femmes épaisses, beaucoup de jeunes filles fortes ou minces, en robe claires et des cols de velours. Heinrich, avide de montrer ses galons de Fenrich, circulait en nouvel uniforme, avec un nouveau sabre. Sur un char à banc, au bruit de ferraille, arriva de loin le grand-père de Thérèse, chauve comme un œuf, un vieux cafetan vert avec d'énormes boutons en fer. Il apportait en cadeau une cassette en acre et un Angora blanc. On célébra bruyamment les fiançailles chez Wind. On cassa une masse de vaisselle pour le bonheur des futurs. De la grange, Ivan écoutait le fracas de ce bonheur. Il songeait si je pouvais lui casser la figure comme porte-bonheur. Le chagrin et le dépit l'envahirent. Il descendit à la cave, crocheta la serrure, tira trois litres de bière brune. Se rasséréna. Il alla à travers la rue dans la cour de Thérèse, prêta l'oreille. On cassait toujours la vaisselle. Il retourna chez Brown, redescendit à la cave, s'égaya. Il fit ainsi la navette jusqu'à ce qu'on eût fini de casser. Il ne se souvenait plus de rien. Depuis le matin, sous les lilas, Moritz le bossu et l'aide pharmacien jouaient du violon. Brown était allé demander une dérogation au règlement de temps de guerre. Comme un télégramme annonçait une nouvelle victoire, la permission fut accordée. Les convives mangèrent un sanglier entier, deux couples d'oies, une vingtaine de lapins. On avala quarante litres de bière et quatre bouteilles de schnapps. Tous étaient rassasiés et joyeux. On entoura le portrait du Kaiser de branches de chêne et de sapin. On menaça de couler tous les bateaux ennemis, de s'emparer de toute la Russie, jusqu'à la Sibérie. Le vieux grand-père de Thérèse braillait. « Je veux une chaude pelisse de l'ours russe !» Heinrich lui promit une pelisse, un bonnet de renard, et à la jeune Thérèse de la soie de lion. On dansa dans l'étroit jardin où fleurissaient les giroflées précoces. Fritz le sanglier valsait avec Tilda en pompeuse toilette, une robe couleur d'or avec un rose par derrière. Heinrich le joli cœur avec Thérèse, placide brebis. Il n'y avait pas de jeunes gens. Seul était venu Kloupf, un soldat ivre qui frappait du poing sur la table, proférait des menaces. Du français, je ferai sortir du vin rouge. De l'anglais, du porteur noir. Rossons l'Europe. On se moquait de Klupf. Bien sûr, nous autres allemands sommes les premiers en Europe. Nul ne l'ignore. Klupf, l'ivrogne, ne voulait rien savoir. Il braillait. Deutschland über alles. Or, oh. or. Oh. Klupf, le bourrelier, avait l'esprit caustique. L'assistance se pâmait à ses propos, cognés avec les cannes. Le grand-père de Thérèse applaudissait de ses mains sèches comme des castagnettes. C'était un dimanche, le soir, Ivan assis dans la cour près du hangar, écoutait le rire sonore de Tilda. Elle avait bu beaucoup de bière et ne lâchait pas son Fritz moustachu. Te voilà déjà engourdi mon petit Fritz, ne bois pas tant mon coq. Allons danser. Kloup foulait le gazon en hurlant une chanson de soldat. D'un taureau je découperai des lanières pour faire des ceintures aux amis. On l'expulsa du jardin à cause de sa tenue cynique. Ivan voyait l'élégant Fenrich chuchoter avec Thérèse et rougir la pudique brebis. Il se rappela en riant dans ses moustaches. Et s'il était tué. Il comprenait parfaitement ce que chantait Heinrich en offrant à la brebis une giroflée blanche. Ah. chère Blandine, ô pur et tendre visage. Quand tu prends une fleur en main, on dirait vraiment une sainte. Ivan était déprimé depuis le matin. Tilda l'avait regardée comme si elle le voyait la première fois et criait « Cire les bottes de Fritz !» Ivan prit les bottes, la regarda dans ses yeux effrontés et dit insolemment « Pour cirer tes souliers, tu me payes bien, madame, mais pour ceci, avec des éperons, paieras-tu mieux ?» Tilda devint pourpre, lui arracha les bottes, se sauva. Toute la journée, le neurose de Tilda et son rire en cascade l'agacèrent. Cela lui faisait mal au cœur que la blanche Thérèse ne quittât pas son fiancé l'accompagna dans ses chansons. Depuis le dîner, les paroles « Ah, chère blondine » le poursuivaient. Dans cette joyeuse soirée, la cage du merle était accrochée sur le hangar. Il sifflait avec un entrain particulier. La chanson de l'oiseau tourmentait Ivan. Il écoutait les voix éclatantes des Allemands. Quel mufle Il profitait de son travail et le considérait toujours comme un étranger. Le bétail tenait plus à cœur au maître. Aujourd'hui encore, Brown avait tâté le terrain ne resterait il pas définitivement à Grunewald? Mais on ne l'avait pas invité à la fête, on ne lui avait même pas offert de loi, ni donné de la bière. Et cette coquine de Tilda qui venait le trouver chaque nuit. À présent elle se serrait contre son mâle roux, moustachu, son nœud était bien à sa place. Et cette Thérèse au regard de brebis, qui ne lâchait pas le sien. À quoi bon faire des façons avec elle? « Une fois celui-ci parti, je lui donne rendez-vous dans la houblonnière et je lui casse sa vaisselle. »« Ce sera le couronnement de ses fiançailles. » Et Ivan entendit de nouveau. « Quand tu prends une fleur en main, on dirait vraiment une sainte. » Assis sur la meule, Ivan faisait machinalement sonner sur la pierre son rouble porte-bonheur. Il prêtait l'oreille au son argentin qui évoquait pour lui le pays. Il se rappela sa sœur Datcha qui, en faisant de la dentelle au fuseau, dans l'isba, avait gagné ce fameux rouble. Sa vieille mère, depuis un an au cimetière. Il se rappela les étalons de Prochine aux yeux injectés de sang. Le petit chien renardeau des prairies de Svorskovka. L'herbe humide de rosée, les trilles des rossignols au printemps. Il se revit au son de l'accordéon menant la ronde avec les filles dans les ravins. Ivan écoutait le son grêle, songeait. « Peut-être retournerai-je bientôt en Russie. » Il leva la tête. Le maire le sifflait en le regardant. Il décrocha la cage ouvrit la porte. Prends ton vol. Le maire le passa la tête, agita son bec jaune. Il se posa sur le hangar, toujours sifflant. Au lieu de s'envoler, il se blottit dans la cage. Imbécile. L'allemand t'a bien dressé. Il entendit un éclat de rire, pensa avec animosité. Si je pouvais les épater, les maudits diables. Il se rappela que l'heure d'abreuver les vaches approchait. Tilda devait ôter sa parure. Retrousser sa robe, faire résonner les sceaux. La suivre dans les tables et devant tous la culbuter. Ce serait fameux Ou bien apporter ce corset en criant « Voilà ce que tu as oublié la nuit sur mon lit !»« Ah Comment leur en un coin à ces démons !» Il leva la tête en entendant marcher. L'ivrogne Kloupf l'observait. Il regardait Ivan faire sonner son rouble. « Hola !» appela Oh Hola !» reprit Ivan. « Fais voir l'ami !» Ivan sortit sa blague et cacha le rouble, se mit à siffler. Kloupf tapa du pied, montra le poing, invectiva. Ah le cochon C'est le cochon russe Ivan avait la réplique facile. Il en dit à Kloupf de toutes les couleurs, prit sa revanche pour trois ans. Kloupf marcha sur Ivan, mais Brown survint et l'arrêta. Il tempêtait, menaçait Ivan de l'éventrer. Brown l'exhortait au calme en disant Ivan est un bon ouvrier. Il ne ressemble pas du tout à ces imbéciles, à ces fainéants de Russes. Ivan, piqué au vif, se dressa de toute sa taille, comme à la revue, et cria. C'est faux, Herr Brown. Russe j'étais, russe je suis resté, et non pas un sanglier, un Allemand. Je n'exploite pas les gens, je ne suis pas un grippe Ce fut une clameur générale, ponctuée de coups de bâton. Brown calma la compagnie et dit paisiblement. Il ne faut pas dépasser les bornes. Mes amis, célébrons notre fête. Nous avons tous un peu bu. Je lui ferai toucher les omoplates. reprit Kloupf. Tous connaissaient Kloupf le taureau. Il les avait tous tombés. Les Allemands s'écrièrent. Saut Saut Avance. Ivan Russe. Il te mettra par terre en deux minutes. La gaieté reparut. On criait à Kloupf. Oh. Oh. Ivan vit Hilda rire, découvrir ses dents aiguës, il vit la douce Thérèse qui abritait derrière son fiancé, le scrutait de ses yeux de faïence. Il fut saisi de rage. Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. En garde! On choisit les arbitres. Le grand-père de Thérèse donna le signal en battant des mains. Klupf était plus petit qu'Ivan, mais plus large d'épaule, plus trapu. Il le saisit par la ceinture, se mit à le presser sous lui. Il redoubla d'efforts, son pantalon craqua. Cela fit rire. Ivan se redressa, exerça une pesée, saisit le coup de taureau. Impossible d'en venir à bout. Le délai passa. Le grand-père de Thérèse frappa dans ses mains. Assez, Kloupf. Tu as bu trop de bière. Ivan lâcha Kloupf, violacé, cracha dans ses mains. Allons y à coups de poing. Ah. Je vais les dépater, les maudits diables. Les arbitres s'y opposèrent. C'était trop facile de battre un homme ivre. Alors Fritz cria. Essayons notre force à porter des sacs. Il y avait dans la cour cinq sacs remplis de terre de bruyère, grands et lourds. Fritz en chargea un sur ses épaules et dit à Ivan d'en mettre un par-dessus. Ainsi fut fait. Fritz parcourut la cour sans se courber. Il fit ajouter un troisième sac et marcha à peine courbé. Il déposa son fardeau, dit à Ivan de le porter. Chargé de trois sacs, Ivan parcourut triomphalement la cour, le buste droit. Il esquissa même un pas de danse. Les Allemands crièrent « Or !» et frappèrent de leurs bâtons. « Eh hey, Il a battu Fritz. Non, Fritz peut faire mieux. » On charge à Fritz de quatre sacs. Il marcha, écarlate les yeux écarquillés. Vacilla, les jeta à terre. Ivan cria crânement. Hé hey, je vais épater ces maudits diables Chargez-moi de cinq sacs, les Allemands On voulut l'en dissuader. Assez Tu vas te donner un tour de rein, Ivan Nous voyons que tu es aussi fort que Fritz. Allez-y Noch Aufladen On se mit à entasser les sacs sur Ivan, qui disparaissait sous la masse. Ensuite, il se redressa fit deux pas, retrouva son équilibre, partit avec aisance. Les Allemands, debout sur le billot, le banc, le suivaient du regard, le cou allongé, s'attendant à le voir vaciller. Les veines gonflées, la face violette, Ivan parcourut à côté de la cour, passa à côté de Brown, plaisanta. Assieds toi, patron. Il passa près de Fritz. Fais asseoir ta garce et la mienne. Il s'avança vers Tilda, regarda ses dents avides, râla. Si nous dansions comme à travers un nuage, il reconnut Thérèse, dont Heinrich baisait l'oreille rose, la tête blonde, et chancela. Un fer rouge lui fouillait la poitrine. Et, au moment de sombrer dans l'inconscient, quand le sol oscilla sous lui, Ivan crut entendre une voix bien connue l'appeler. Vania. V. Quand Ivan revint à lui, les étoiles apparaissaient dans le ciel. Les sacs gisaient là. Les Allemands formaient un cercle bruyant. Brown criait. C'est un jeu stupide. On peut perdre un homme. Fritz riait. Eh bien, Ivan, la terre nous couvrira tous. Lève-toi, nous boirons. Lève-toi, Ivan. Debout, ours russe. Braille et kloupf. Tu es plus fort que nous, sanglier. Oh! Buvons, mon ami. Oh! Ivan ne pouvait pas se relever. Les Allemands le soulevèrent, l'assirent sur le billot. Tilda lui apporta un verre de lait. Bois du lait, Johan. Soudain, un flot de sang jaillit de la gorge d'Ivan éclaboussa le lait et la blanche main de Tilda. Les jeunes filles poussèrent des cris. Tilda retira sa main avec le lait teinté de rose, pâlit. Fritz prit le verre, sourit. Eh. Quoi. Tu n'as pas encore vu de sang étranger? Va te laver. Tilda. Tilda. Cria la vieille Allemande. Il est temps de traire. Le coucou sonna huit heures. Tilda alla changer de robe. Les Allemands partirent achever la bière. Fritz mena Ivan dans le hangar sur sa couchette. Tu n'as pas le sens de la mesure, Ivan. C'est ainsi que tu as perdu ta force. C'est à cause de ta bêtise. Il faut savoir plaisanter. Ivan articula faiblement. M'en fiche. La nuit, le sang jaillit de nouveau, inondant sa chemise. La soif le tourmentait. Personne à son chevet. Ivan humait faiblement l'air chaud, oscillait sur des hauchards de foin, entendait la voix plaintive et familière. Le jour vint. Cinq heures sonnèrent au coucou. Brown cogna. Eh bien, Ivan, peux-tu arracher les pommes de terre Ivan gisait inerte, blanc comme un linge. Il s'agissait bien de pommes de terre. Il y eut une pause. Ivan, si tu buvais un peu de bière et mangeais du porc. Les yeux d'Ivan demeurèrent clos. Il murmura dans un souffle :« Non, j'ai mon compte. » Brown ne comprit pas. Il piétina sur place, conseilla de frotter la poitrine et le dos à l'opodel d'or ou à l'éther formique. Remède ancien et sûr. Lui-même se frottait toujours la poitrine à l'éther formique. Emmenez-moi dans mon pays, je veux la Russie. J'entends. Brown ne comprit pas. Ivan délirait en langue étrangère, dans sa langue de sauvage. Fritz survint, regarda le visage de Sir d'Ivan. Fichu pensa-t-il. Il dit qu'il fallait le transporter à l'hôpital. Les lèvres d'Ivan remuaient, murmures confus, inintelligibles à lui-même, aux Allemands, aux ténèbres du hangar. Il humait l'air avidement, délirait dans une langue inconnue, dans sa langue de sauvage. Brown le conduisit lui-même à l'hôpital. Lorsqu'on l'installa dans la voiture, Tilda monta sur le billot pour mieux voir. Leurs yeux se rencontrèrent. Ivan eut un pâle sourire. Voilà où j'en suis maintenant. Alors que. Il considéra la cour de l'allemand, le solide bâtiment en pierre, les génisses que Lichen poussait dans l'enclos. Il regarda les rideaux ornés de broderies, les pendeloques rouges des fuchsias les plates bandes verdoyantes dans le potager. Ah, si l'on pouvait transporter tout ça à Tsvorskovka! Il se courba, s'étendit auprès de l'Allemand. Lorsqu'on passa devant la maisonnette bleue de Wind, Ivan regarda dans le jardin, mais Thérèse ne s'y trouvait pas. Adieu, étrangère caressante aux yeux bleus. Il se rappela les paroles de l'Ivron Klupf la veille. Tu es plus fort que tous, Ivan. En proie au dépit, il dit à l'Allemand. Je sais tout. J'aurais dirigé votre exploitation. Tant pis. Brown hocha la tête et répondit sans retirer son cigare. Non, tu n'aurais pas pu, Ivan. Tu. tu es une tête de pomme de terre. Il l'avait dit souvent. Il ajouta. Un homme intelligent ne finit pas comme ça. Doum. M'en fiche, dit Ivan en crachant le sang. Je te donnerai mon rouble porte bonheur. Brown ne répondit pas. Ivan chercha sa blague, sortit le rouble, le caressa. Tiens, Allemand. Souviens toi d'Ivan. Brown le dévisagea, prit le rouble des doigts glacés, tira sa bourse en perles. Mais Ivan le lui retira des mains. Qu'il roule plutôt. Et rassemblant ses dernières forces, il le lançait droit vers le ciel, comme jadis il lançait ses gluots. On passait justement sur la chaussée de l'étang de Grunwald, long de plusieurs kilomètres. La pièce scintilla au loin, disparut. Qu'il roule. Ivan, les lèvres crispées, sourit douloureusement. Brown lui lança un regard sévère, mâchonna son cigare. Six. À table, le soir, Brown dit. Nous avons perdu le brave Ivan. Le docteur a dit qu'il s'est rompu quelque chose dans la poitrine, là où une balle avait traversé. Tu l'as mis en colère, Fritz. Il est bête et ne connaît pas la mesure. C'était un fameux travailleur. Il faudra en demander un autre. On dit qu'il est arrivé un nouveau convoi d'Ivan russe, pour les travaux. Il ne fallait pas l'agacer. Il voulait se vanter de sa force devant les filles. Un coureur de cotillons dit Hilda. À présent, je puis bien le dire. Il me poursuivait, le pauvre. Qu'est-ce que c'est cria sévèrement Fritz. En voilà une idée Pour qui me prends-tu s'exclama Tilda, indignée. C'est bon, verse-moi de la bière. Tilda lui versa ainsi qu'à elle, le regarda longuement dans les yeux, trinqua, sans retirer son verre. La vieille Allemande les considérait avec attendrissement. Le coucou sonna dix heures. Il n'avait déjà plus sa tête à lui, dit Brown. Il a lancé dans l'étang son rouble d'argent. Deux marques À cette heure, Ivan mourait dans une salle proprette de l'hospice de Grunewald. Le médecin de service nota dans son journal Le prisonnier russe Ivan Gratchov, 26 ans, numéro 24 727, est mort le 16 mai à dix heures du soir, d'un épanchement de sang au poumon. Apoplexie pulmonaire. Cause déclarée. A soulever un poids excessif à la suite d'un pari, 300 kg, cause auxiliaire une blessure de guerre à la poitrine, perforation. Magnifique exemplaire du type slave. Une mensuration complète a été effectuée. Page 169. A communiquer à Monsieur le Professeur Clyden, Berlin. Après avoir noté le rapport de l'infirmière, le médecin fit transporter le cadavre à l'amphithéâtre pour l'autopsie.